Et salut les amis, nous revoilà pour une toute nouvelle aventure sur le serveur Empire. Oh yeah, c'est l'Empire. Je suis en compagnie de Mat0850. Salut. C'est... qui a un magnifique E, qui c'est le E de Empire. Ouais. Et voilà, et du coup, alors la série fera suite pour mon cas au Mine Empire. Alors on a eu des petits soucis techniques au niveau du serveur, du coup ça. Moi du coup je te propose c'est qu'on s'installe là pour démarrer, comme ça on ira miner derrière. Impeccable, et ben voilà, on va s'installer ici. Alors on va aller je vais aller couper on du va bois. Aller couper du bois tous les deux. Donc voilà, ben pour moi, donc Lucas c'est la suite de Mine Empire, du serveur qui malheureusement buguait. Moi personne. Ah putain, le bois, le chêne noir il est dur à couper celui-là. Il y a du chêne et du boulot, t'inquiète. Oula, j'ai entendu un zombie. Personnellement, je vais vite fait. Ouais, bah, on récupère quelques bûches pour se faire. Je sais où il est, le zombie. En fait, il est sous terre. Il y a. J'y pensais plus, mais je vois des puits là-bas. Ouais. Donc, du coup, on est en 1.8 pré. La pré-release 1.8, la numéro 1. Donc, il y a encore quelques bugs. La 1.8. 2 devrait pas tarder, bien sûr, la pré-2. La pré-release, elle vient tout juste de s'installer, donc du coup sur les serveurs, ça fait un donc peu. Voilà. Du coup, le serveur, ça marchait pas. Perso, moi, j'ai assez de bûches, je vais aller miner pour faire des outils en pierre. Et il y a du peuple là, en dessous. J'entends, il y a une caverne, il y a des chauves-souris. Perso, c'est bien qu'il y ait un spawner à zombies squelette juste en dessous du. Bah tiens, tu peux aller miner de la cobble. C'est ce que j'ai dit. Non, mais comme ça, je vais faire une épée, je vais aller tuer les vaches et récolter des champignons. Ok. Ouais, faut de la bouffe. Oui, on va se servir des champignons pour bouffe parce que. Eh oui, parce que là, comme c'est une forêt de bois de chêne noir, il y a souvent des champignons dedans à cause de la luminosité très faible. Ouh, eh. Et puis il y a du fer là dès le début de la caverne, c'est pas mal. On va pouvoir se faire quelques outils en fer, bien sûr, on va faire une mine opti. Bon. Ah bah tiens, parfait. Hop, je me fais tout de suite une paire de sticks. Je te fais une épée. Et un bois aussi par la même occasion, tiens. Hop, oui. Ah bah j'ai plus assez de. Récolte le charbon et fais des petites torches comme ça. Ouais, je vais faire des petites torches, je vais éclairer le début. Parce qu'à mon avis, on va se faire attaquer par bientôt. Mais je voulais faire une. Ah, je crois que j'ai. En pierre. Il semble avoir vu des moutons là-bas. Merde. Est-ce que c'est des moutons là-bas, il me semble avoir vu un truc blanc. Mais c'est... Les moutons, on les tue pas personnellement. Comme ça, je vais récupérer le fer qu'il y a. Ouais, voilà, si on a du fer. On se fera. Oui, parce que les moutons maintenant donnent de la bouffe. Pour ceux qui savent pas. Donc c'est quand ça reste. Maintenant, ça devient intéressant en fait. Voilà, ça devient intéressant de faire l'élevage de moutons. Hop, il reste encore. Oh, vache, il reste plein de vaches. Oui, oui. J'ai dit beaucoup de fois le mot vache. Excusez-moi. Eh, hey, Mathieu, tu veux une bonne, très bonne nouvelle même. Vas-y. Tu vois, il y a un désert à côté. Ouais. Il y a le temple du désert, je le vois. Ouh, eh ben on ira l'explorer après si tu veux bien, parce que là on n'est pas assez équipé. Non, maintenant. Je déconne. Je sais qu'il faut être patient. Explorer un temple du désert. Bon, après il y a juste des coffres en dessous, mais en fait il faut descendre et puis pouvoir remonter. Ouais, je sais. Il te faut de la bouse pour descendre. Puis surtout que le temple est pas éclairé, donc il y a de fortes chances qu'il y ait déjà des mobs dedans. Je sais pas s'il y a beaucoup. Non, dans les temples il y a pas beaucoup de mobs qui spawnent. Ah, c'est sombre hein, quand même. Et comme là en plus il fait jour, du coup ça a spawné à fond dedans. Vieux, tu veux. Oui. Sérieux, on a tombé sur une très bonne map. Parce qu'il y a du fer. Il y a pas mal de fer là à la surface. Ah bah excellent. Alors là, la map du coup est un peu cheatée. Si tu veux venir filmer ça pour tes viewers. Hein, Là, je coupe le champignon géant et je vais voir ça. Ouais, mais c'est bon. Alors, on n'est pas en ultra hardcore de toute façon. Non, on est en difficulté au max, quoi. Voilà, donc on est simplement en difficulté au max, parce que la difficulté minimale, en fait, n'a plus d'intérêt pour nous, la normale, tout simplement. On finit par s'ennuyer. Hop, le champignon géant est coupé, il y en a d'autres, donc comme ça on aura bouffé. Moi, je viens de baisser un peu ton son parce que je trouvais qu'il était un peu fort. Alors, excusez-moi si la première partie, Lucas, parle un peu fort. Hein. Ça changera d'habitude, on va dire. Ouais, d'habitude, c'est Mathieu qui a tendance à. Comment dire, être un petit peu excité. Ouh, des petits lapins. Excité, vas-y, genre. Ouais, je crois que on va pouvoir se faire des outils en fer.
Ah, il y a une sacrée caverne. Bon, j'arriverai pas tout de suite, il y a d'autres vaches, je vais les buter. Puis je vais essayer de trouver des moutons. Ah oui, ce serait bien. Moi, je vais faire un ciseau pour récupérer la laine. Tu peux faire un... Ben, il y avait pas de moutons. Ça doit être le bois de bouleau, comme il est blanc de loin. Ouais, c'est pas grave. Au pire, pendant la nuit, on ira miner. Mais je suis en train d'explorer pour trouver des moutons. C'est une peine. On devrait bien trouver quelque chose. Donc, voilà. Pour ma part, excusez-moi si j'explore pas, mais il faut bien que quelqu'un récupère un peu de fer. Hein. Non, mais c'est clair. J'ai trouvé une citrouille. Donc voilà, c'est sympa. Ouais, c'est sympa pour après faire de la tarte à la citrouille. Bon, c'est juste pour en avoir, quoi, pour moi, l'intérêt. Puis en plus, la tarte à la citrouille, c'est du sucre et puis seulement de la citrouille, donc facile à faire. On a de la canne à sucre. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, ça c'est c'est les nouveaux blocs de Minecraft, hein. C'est l'andésite. Oh, c'est le plus beau, personnellement, qu'ils ont rajouté. Ça c'est le granit c'est pas terrible. Si vous jouez pas en snapshot, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent avec la 1.8. Donc ces trois nouveaux blocs là, les temples sous-marins, enfin il y a tellement de choses. Ouais, les temples sous-marins, ce sera bien qu'on en voit un, mais on fera ça à plusieurs parce que il y a l'océan pas loin et honnêtement les temples sous-marins, on en trouve assez facilement. Ah ouais. Ouais, pour moi c'est un bug du jeu. Alors peut-être qu'ils ont corrigé ça, mais Bon, il y a un four. Faut que t'arrêtes avec ça. Personnellement, moi, je vais faire un peu d'exploration aussi. Enfin, même si. Ah bah là, je suis en route pour la maison. Il faut que je retrace la rivière d'ailleurs. C'est ça que je pensais plus. Je vais te mettre des torches. Je ramène 30 steaks. Le four, il y a du charbon dedans ? Oui, il y a un peu de charbon. Là, on va faire cuire les steaks. Bon, j'ai un petit bug au niveau de l'herbe, mais c'est pas grave. Et voilà, l'homme de la maison revient avec la nourriture et la femme va pouvoir cuire les steaks. Allez. Tu feras les deux. Quoi? Je fasse les deux. C'est incroyable ça. Pour la peine, je te balance des œufs dans la tronche. Aucun respect. Ouais, ils ont même pas fait de poussin en plus. Honte. Voilà. On va mettre une porte à notre grotte. Ouais, on va reboucher vite fait comme ça. Ah d'accord, t'es en train de faire ça. Oui, attends, je vais te faire un autre four. Ouais, ouais. J'ai 30 steaks, donc chacun on en aura 15, et puis voilà quoi. Donc voilà. J'aurais bien aimé trouver des moutons pour dormir, mais bon, c'est pas non plus ultra pressant. Je vais faire notre premier coffre aussi. Parce que j'ai des trucs que j'ai pas besoin. Donc ouais, je vais poser ça. Donc on a des champignons, on a du bois. Donc si jamais t'as faim, bah de toute façon il y a la bouffe maintenant. Donc voilà. Bon, mais moi excusez-moi si j'ai des petits coups de lag de temps en temps. Tu peux me passer une pioche en... Attends, je vais t'en refaire une parce que j'en ai plus qu'une. Enfin j'en ai toujours eu qu'une. Sinon j'en ai une en bois. Oula, il y a une ouverture là-bas, il faudra aller boucher aussi. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup. Passe-moi 3 de cobble, ça y est. Ah oui, tiens. Tiens, personnellement, moi je suis pour pendant la nuit qu'on descende là. Oui, on va aller miner loin. Mathieu, est-ce que tu écoutes Renaud? Oui, vite fait. Eh ben, tu vois à peu près ce que Renaud y chante, de toute façon. Oui. Bon. Ah oui, il n'y a pas de charbon dans le four, d'accord. C'est pour ça que là, il y en a. Non, mais là, c'est bon, je viens d'en mettre, mais voilà quoi. Je suis en train de me prendre le charbon sur la gueule, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Parce qu'en ce moment, j'ai vu à la télé, il y a des clips de chansons de Renaud. Ouais, ils font des reprises. Moi, je dis que c'est honteux. Les reprises, les reprises, reprendre du Renaud, c'est particulier parce qu'il a vraiment une voix vraiment bien à lui, que j'adore. Le problème, c'est, regarde qui a repris ses chansons. Il y a Carla Bruni dedans. Alors, Renaud, c'est quand même carrément un anarchiste, il est très très à gauche. Pour moi, c'est pas normal que la femme d'un mec aussi pourri que Sarkozy et puis puisse chanter ça quoi. Tu veux une bonne nouvelle? Tu veux monter l'enfer? Oui. Oh, c'est bon, c'est pas en fait. Donc voilà. Donc les amis, si vous êtes d'accord avec moi, et ben on va faire circuler, faites circuler.
Tiens, je te donne aussi une pioche en fer. Parce que pendant que tu parles sur Renault, bah, moi je travaille. Bah attends, c'est parce que j'ai un message. En fait, là, j'ai un message important à faire passer. Hein. Un groupe de youtubeurs. J'ai un message important, c'est que. Du coup. Oula, belle caverne. C'est qu'il y a plein de chansons que Carla Bruni devrait chanter. Tu sais quoi, on va explorer parce que j'entends des zombies et puis bon. Ouais, moi aussi. Oh tiens, il y en a un d'ailleurs. Alors, je demande à Carla Bruni de chanter Hexagone, Société tu mourras pas, et où c'est que j'ai mis mon flingue. Avec ça, ça devrait être pas mal. Je suis en train de descendre, hein, moi, perso. Et l'Antarté aussi, parce que BHL, c'est un con. Voilà, merci. Genre, comme si elle allait regarder tes vidéos, quoi. Ah non, c'est pas pour regarder mes vidéos, c'est simplement pour que beaucoup de gens soient au courant, et puis... Oui, et puis, oui, c'est sûr que bon... Non, parce que j'adore vraiment Renault, et pour moi, le fait que Carla Bruni chante du Renault, c'est pas normal, c'est il y a un problème. Il y a un zombie qui arrive, mais normalement il est bloqué. Moi je sais qu'il y a un squelette là juste en bas, alors je vais essayer de le tuer avant que t'arrives. On fait YOLO. YOLO! C'est bon, il est mort. Là, fais gaffe parce que ça descend fort. Je viens de voir ça. Attends, je vais mettre une torche ici. Voilà. Tiens, voilà. Ben, on a un escalier comme ça. On va continuer à descendre. Mais non, on fait un escalier comme ça, direct. Wow. Non, moi je. Regarde, ça, je récupère de la pierre. Vas-y, pendant que toi tu me défends, ben moi je vais miner, faire l'escalier. Ouais, il y en a un autre qui arrive. D'accord. Bah, ils sont suicidaires les zombies. Hein. Je sais pas dépêche-toi parce que là il y en a. Bon, il y en a un qui. Ben, tu verras si tu vois ma partie de vidéo. Mais ils dansent. D'accord. Oh la vache! Je suis tombé en bas de la caverne, Mathieu. Le zombie m'a poussé. T'as poussé mon pote, toi, fumé! Ah, j'ai failli mourir! Ouais, bah du coup, moi, je te propose, c'est de le finir comme ça. Je vais mettre des torches en bas. Torcher, ouais. Ah ouais, puis j'ai pas de... Bon, en tout cas, bonne nouvelle, encore du fer. Encore? Mais moi, je vais essayer de remonter parce que je vais ramener la bouffe. Ben moi j'ai deux steaks si tu veux. Ah ben l'escalier il est prêt Mathieu. Ah ben cool. Je vais sécuriser un peu plus la zone là en torchant. Ah ben du coup l'escalier. Et réellement. Puis pour nos viewers hein, parce que bon dans ouais, YouTube pour... assombrit les vidéos hein. Et puis c'est plus agréable pour vous de toute façon d'avoir une vidéo relativement claire. C'est sûr. Hop, je ramène plein de steaks. Tiens je vais en ramener 20 comme ça on aura un chiffre rond. Voilà. C'est une zone bien éclairée. Ben moi je dis qu'on démarre bien là, par contre j'ai pas mis de chrono, je sais pas si toi t'en as mis un. Non, hein, forcément, j'avais pas mis mon chrono. Eh ben je vais mettre un chrono. Donc, bon. Ben perso, je pense que la vidéo doit être finie là. Enfin, non, aussi. Bon, eh ben les amis, allez, on laisse encore quoi? On leur laisse quoi 5 minutes allez, on va laisser 5 minutes le temps qu'on finisse de visiter un peu la caverne là. Et puis, je pense que si la vidéo est pas assez longue, on fera un petit bonus. On regardera le temps de vidéo. Eh ben personnellement elle mène ici, donc à mon avis on fera notre minopti ici, hein. Ouais. Ah ben voilà. Et puis là il y a du fer. Alors pour ce premier épisode, eh ben Lucas a fait de l'exploration. Aux attends, écoute. J'ai cru avoir entendu un slide. Donc je disais pour ce premier épisode, Lucas a fait de l'exploration pour sur sa chaîne. Moi j'ai miné, donc j'ai récolté aujourd'hui plus de 30 de fer. Il y a un squelette pas loin, parce qu'avec le casque, ouais, à mon avis, coup, en bas là, ça doit continuer, toi. J'ai pas l'impression que ce soit en bas, il y a peut-être une caverne à côté. Ou au-dessus. Personnellement, on va finir de récolter ce fer là. Et nous, on va continuer à tourner là, en le deuxième épisode tout de suite. Hein. Ah, ouais, carrément. Hein. Et puis, après, si vous aimez notre série, mettez des pouces verts sur ma chaîne ou sur celle de Lucas le Méchant. Pour ma part, je mettrai le lien de sa chaîne dans le lien de la description. Moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne le mette pas. Bah oui, quand même. Sinon, on n'a pas dit, pour le moment, on va faire l'aventure à deux. Ah oui, les objectifs. Le temps qu'on développe bien le spawn. Parce, ouais, parce qu'on avait au début, on avait dit que le serveur précédent, My Empire, avait bugué. Il y a eu de gros problèmes, et ben donc pour ceux qui ont suivi l'aventure, et si vous êtes étonné qu'il n'y ait pas Tété viendra sûrement. Oui, il viendra. Et pour sûrement. L'instant, on fait d'abord la petite aventure, on commence seulement à deux, et puis peut-être après on invitera. Voilà, qu'on ait quelque chose pour lui donner
pour lui dire la bienvenue, quoi, en gros. Et puis, oula. J'entends... Tu fais une minutie, toi, quoi. Non, non, je cherche les araignées au bruit. Non, mais je te dis, à mon avis, ils sont peut-être en bas. Juste en dessous de toi, tu sais. Je regarde en bas, là, je suis en train de creuser un escalier. Bon, en tout cas, sur ce, on se dit à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce vert et le commentaire. Sur ce, à la prochaine. Bye bye. Et vive l'Empire. Voilà.